Et bonjour, c'est aujourd'hui le dernier Vlogmas. Ça y est, on est arrivé au bout. C'était pas facile, c'est toujours un challenge ces Vlogmas de devoir vloguer tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour essayer de ne pas louper un seul jour, c'est vraiment pas facile. On se retrouvera à la fin de cette vidéo pour faire un petit bilan, mais là, on n'a pas encore fini la journée, on a commencé à peine. Et donc on a encore plein de choses à faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai pas pris un thé comme je le prends d'habitude. Hein. Je me suis fait une petite infusion spéciale rhume, spéciale parce que je sens il y a des microbes qui tournent autour de moi et je sens que ils vont pas tarder à m'attraper. Donc avant que ça n'arrive, je me suis fait ma petite potion citron, gingembre et miel que je fais infuser dans de l'eau chaude. Ça va faire du bien. C'est parti pour la dernière journée. Et normalement, on finit le manteau aujourd'hui. C'est obligé, on le finit. Ça va? Dans quelques heures, Vanessa aura bien chaud, oui. Allez, on termine le manteau. On termine là. Je vais croiser les doigts pour réussir à tout faire en live. Mais dans tous les cas, le manteau sera fini ce soir. En live ou pas en live. Donc on en était, il nous reste plus que la fermeture éclair à mettre sur le devant et à faire les ourlets. Donc je sais qu'il y aura quand même pas mal de choses à faire à la main, mais normalement on devrait quand même s'en sortir et réussir à finir en... Alors au niveau de la couture de la capuche, ce que je n'ai pas fait c'était de faire des crans dans la couture, dans la marge de couture au niveau de la capuche. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, je pense que oui, ça tire là sur l'encolure. Je pense que je vais le faire. Ah, c'est lourd, hein. Je vais le faire autant sur la maille, sur la doublure, c'est extensible, donc ça pose pas de souci. Autant sur le tissu extérieur, là, c'est ça, je sens que ça résiste. Donc certainement que ce sera mieux si je fais quelques crans. Donc on est parti, on va mettre la fermeture éclair. Elle va pas aller jusqu'en haut. Donc par contre il faut qu'on mette des points de repère, donc c'est les points de couture, donc le point de la capuche, le point de la taille, et il faudra qu'on marque ici le bout sur le manteau, le bout du zip. Alors du coup je mets cette bande là, c'est là que on va avoir des épaisseurs parce que je rajoute cette bande là. Donc c'est ici qu'on risque d'avoir des problèmes. Donc je pose par-dessus la fermeture. Alors hop. Alors, j'ai envie de mesurer quand même pour être sûre d'arriver au même endroit au niveau du bas du manteau. Bon, on va dire que c'est bon là.
Allez, on va dire que c'est bon comme ça. Donc je vais bâtir ça en place. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre la doublure par-dessus. Là, j'ai 6 épaisseurs, on est d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, punaise. Oh, mais ça va jamais marcher. Bon, déjà, j'arrive à le mettre en dessous du pied, mais ça va jamais avancer. Je suis vraiment tout en haut du pied. Hein. Oh, ça avance. Ça avance. Ça a marché. Bon, bah maintenant il faut que ça marche avec une fermeture éclair en dessous, en plein milieu. Ensuite, on va couper la marge de couture de moitié du côté de la doublure. On va cranter le coin et retourner. Et tout retourner sur l'endroit. Donc du côté de la doublure, on découpe la moitié de la marge de couture. Ça va pas être grand chose parce que je sais pas, c'est tellement serré, je peux rien couper là. Tant pis, je le fais pas, je vais juste cranter les coins. Je crois que j'ai pas bien pris toute la fermeture. C'est un peu limite là. Je crois qu'il faut que j'y repasse. Je pense même que je vais le faire à la main. Parce qu'en fait, je suis loin de la fermeture là. Parce que là, je vois mon bâti. Et donc, j'ai pas été assez proche des dents au niveau de la couture. C'est au niveau, ben voilà, comme au niveau de la capuche là, au niveau de la moumoute, c'était un peu compliqué, donc je pense que je vais le reprendre à la main. C'est que ici, le reste c'est bien. Mais là, je vais reprendre toute cette partie-là, je vais le faire à la main. Si je vois mon bâti que j'ai pas fait très proche des dents, c'est très mauvais signe. Bon, vers le bas ça va, mais tout le haut, ça tient. Hein. Mais c'est la fermeture, j'ai peur qu'elle craque. Bon, je vais le faire à la main, je vais faire des points un peu plus... Quand même, il a bien pris. Hein, je vois bien quand même le ruban du zip. Il y est quand même là. Hein. Il est bien pris. Hein, parce que je le vois de l'autre côté de la couture. C'est que c'est bon. J'ai pas besoin de le faire, ça. Je vais pas le faire. Alors, donc ça, c'est fait. Je tords up the right side out and press. Ouais, bon, on n'est pas obligé de repasser tout le temps non plus, si. Si, hein. Si, ce serait mieux. Thank you.
Donc là, il faut reprendre la marge de couture ici. On va plier ça comme ça et il faudrait faire une petite couture invisible pour maintenir le pli correctement au niveau du poignet. Voilà, mes manches sont cousues. Bon, j'ai pas fait tout le long là. On va espérer que ça suffit. On va le retourner, on verra bien. Au pire, je repasserai sur l'envers pour fignoler tout ça. Bon, au niveau des coutures, du coup, c'est très très épais. Bon, ça c'est normal. Évidemment, un petit essayage. On est obligé. Trop bien. Alors par contre, ah non, c'est le micro. Oh, je suis désolée, je vous ai enfermé. Je me disais, j'ai un truc dur là. C'est quoi? La fermeture, elle me fait mal. C'est le micro. Ah, mais là, je vais bien avoir chaud là. Bon, ça, il va falloir que je l'attache. Un petit tour. C'est trop bien. Au niveau de la longueur des manches, hein, c'est bien aussi, hein. C'est parfait. Donc il reste à surpiquer. J'ai pas envie de surpiquer. Surpiquer partout, là, la capuche, tout autour de la fermeture éclair, tout ça, là. On part du bas, on remonte ici, on fait le tour là, et puis on redescend tout le long de la fermeture. Et après, on est du bas. Oh, j'ai vraiment pas envie de faire toute cette surpiqûre là. Ça va être dur. Ça va être dur. Bon, ben allez. Je vais faire la surpiqûre. Je vais la faire cette surpiqûre. Oh, j'ai peur que ça gâche tout. Non, mais je crois que t'as raison. Je crois que je vais le faire à la main. Et je fais faire que la capuche parce que j'ai vraiment peur que ça gâche tout, que je réussisse pas à bien passer, parce que là c'est encore plus épais. J'ai peur de que ça fasse des bêtises et je pense que je vais juste le faire à la main de l'intérieur. Ce sera plus joli. Et le bord là, j'ai pas envie de le faire, j'ai peur de tout gâcher. Ça permet de maintenir un petit peu, de faire en sorte que ça se défasse pas là. Donc c'est bon, ça tient. Hein. Voilà, elle tient un petit peu mieux la capuche là, non? Est-ce qu'elle fait pas un petit peu plus plate? J'ai pas fini, il me faut faire l'ourlet du bas. Mais je pense que je le ferai tranquillement ce soir. Devant un petit écran, parce que c'est vraiment, il reste plus que ça, il reste plus qu'à fermer ici, c'est tout. Et j'ai le thermocollant qui va me donner, qui va m'aider à replier de la bonne taille. Ici pareil, je vais replier là et je vais venir coudre ça ici comme ça à la main tout le long. Ça va pas être compliqué, c'est juste que ça va être un peu long, c'est de la couture à la main, mais voilà, après c'est fini, j'ai juste ça à faire et c'est terminé.
pas deux boutons les mêmes. J'ai pas deux boutons les mêmes. Et voilà. Bon, mais c'est parti pour le bilan de ce Vlogmas. Alors, en ce qui concerne la garde-robe, j'ai vraiment fait pas mal de choses. Je suis vraiment contente d'avoir autant cousu. Je suis très très contente d'avoir réussi à finir le manteau. Bon, alors, j'ai vraiment sous-estimé le temps qu'il fallait pour faire une aussi grosse pièce. Là, je pense que j'ai bien mis au total une bonne semaine bien pleine, hein. Parce que j'ai mis 5, 6 jours, on va dire 6 jours. 6 jours, 7 jours si on compte aussi le décalcage. Donc c'était quand même un projet qui était très très long. J'ai vraiment sous-estimé ce côté-là du manteau. Heureusement que j'avais pas les fournitures, comme ça j'ai pu faire plein de choses avant. J'avais déjà commencé par faire le legging, même s'il n'était pas sur ma liste de vêtements à coudre pour le Vlogmas. Hein. J'en avais quand même vraiment besoin. Et c'est la première chose que j'ai cousue sur ce Vlogmas, du coup je l'ai compté quand même dedans. Donc il y a le legging de mon livre Couture Yoga que j'ai réalisé. Il y a eu donc la jupe culotte du livre Trest de Tirendo. Il y a eu le t-shirt que je porte encore ici, là, le t-shirt Orage de Tirendo encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le pull Aria de mon Asiou, qui est devenu ma jam. Donc je n'ai pas pu coudre tout ce que j'avais prévu, puisque j'avais encore prévu deux autres vêtements, mais des patrons de la coupe d'or. Et ceux-là, je n'ai pas eu le temps de les faire, mais je les ferai en janvier. Et si ça te dit, j'ai très envie de reprendre un petit peu les studio vlogs et de continuer sur cette lancée de filmer ma création de la création de ma garde-robe. J'aime bien partager ça et voilà. Donc j'espère que ces vlogmas t'ont plu. C'était très très dur pour moi de faire tous ces montages puisque ça faisait très longtemps que je n'avais plus fait de montage vidéo. Donc là de m'y remettre, ça m'a fait plaisir aussi parce que j'aime bien le montage. Là c'était très 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 intense quand même, hein. C'était un rythme très soutenu, mais voilà, ça pousse à faire plus de choses. Donc je te dis à l'année prochaine, je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on se donne rendez-vous en 2023 avec peut-être un nouveau challenge. Je sais pas encore ce que ce sera. Si tu as des idées, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires. J'en tiens très compte. Je regarderai un petit peu tout ça. Et parce que là, tout de suite, je n'ai vraiment aucune idée. On en avait discuté un petit peu avec les filles sur le live Twitch de le dernier. Et elles m'ont toutes dit un manteau pour tout le monde. Non, c'est pas possible. Donc ce sera pas manteau. Donc c'est pas la peine de me mettre en commentaire de faire un challenge manteau pour tout le monde l'année prochaine. Je leur ai déjà dit non. Voilà. Mais je suis preneuse de toutes les idées et donc je te donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles vidéos, des tutos et des nouveaux vlogs. Bonne fête de fin d'année. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Making
Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be?